L'énorme radis. C'est l'histoire d'un petit garçon et d'une petite fille qui décident de planter des légumes dans leur jardin, mais ils n'ont qu'une seule graine de radis. Ils la plantent et s'en occupent. Ils s'en occupent si bien que le radis pousse. Il pousse, pousse, pousse et devient bientôt plus grand que les plus grandes maisons de la ville. Le petit garçon décide alors d'arracher le radis. Il tire, tire, ohis, ohis, mais le radis ne bouge pas. La petite fille décide d'aider le petit garçon. Elle tire le petit garçon qui tire le radis. Ensemble, ils tirent, ohis, ohis, mais le radis ne bouge pas. Le chat arrive pour les aider. Il tire la petite fille, qui tire le petit garçon, qui tire le radis. Ohis, ohis, mais le radis ne bouge pas. Le chien arrive pour les aider. Il tire le chat, qui tire la petite fille, qui tire le petit garçon, qui tire le radis. Ensemble, ils tirent. Ohis, ohis, mais le radis ne bouge pas. Le cheval arrive pour les aider. Il tire le chien, qui tire le chat, qui tire la petite fille, qui tire le petit garçon, qui tire le radis. Ensemble, ils tirent fort. Ohis, ohis, mais le radis ne bouge pas. Sans que personne ne s'en aperçoive, une petite souris arrive pour les aider. Elle tire le cheval, qui tire le chien, qui tire le chat, qui tire la petite fille, qui tire le petit garçon, qui tire le radis. Ensemble, ils tirent fort. Ohis, ohis, mais le radis ne bouge pas. Encore plus fort, ohis, ohis, quand soudain, le radis tombe sur le petit garçon, qui tombe sur la petite fille, qui tombe sur le chat, qui tombe sur le chien, qui tombe sur le cheval, qui tombe sur la petite souris, qui tombe sur les fesses. Tous les amis tombent par terre. Pour les remercier de les avoir aidés, à arracher le radis, le petit garçon et la petite fille décident de faire une salade de radis et de la partager avec tous leurs amis.